avons envie de faire un métier pas ordinaire. Il est temps de se lancer pour devenir ambulancier. Toujours des mots, des gestes, communiquer sans cesse, rassurant dans nos paroles, la peur, les angoisses s'envolent. Avec nos vœux bleus pénétrants, faut qu'on se bouge. Accident de la circulation, sécurité, protection. Avec une force cinétique, il nous faut prévenir vite. Il faut leur expliquer qu'on doit les attacher. À chaque fois dans l'ambulance, même en transport en urgence. Et qu'ils soient black, blanc, beurre pour eux, des discours, rien ne bouge. Il était un patron, on citait en exemple. Il disait droit devant à fond les ambulances. Et sans aucun bilan, adieu les espérances. Plus de place pour lui dans mon au pays de France. Je veux vraiment faire ce métier extraordinaire. Un boulot de vocation, pas de place à l'hésitation. Un transport en série, pour kinésithérapie. On ne doit jamais négliger, toujours être éveillé. Hygiène et prévention, tout simplement dire non aux infections, nos autorités. À chaque instant c'est une bataille. Et on transporte encore, les patients rappellent encore, pour renverser le sort. Et pour y croire encore. Et pour y croire encore. Il en faudra encore. Et on transporte encore. Et on transporte encore. En redoublant d'efforts. En redoublant d'efforts. Et on transporte encore. Et on transporte encore. En redoublant d'efforts. En redoublant d'efforts. On transportera encore. 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 Un jour, les politiques ont voulu faire du fric sur la santé des gens, certains sont nos patients. Comment peut-on s'y prendre pour enfin se faire entendre? On va vous raconter ce qui se passe au CHV, chez nous sur les urgences, au lieu de maltraitance. Des heures sur un brancard, tiens voilà une escarre. Nous on fait tout ce qu'on peut, on veut prendre soin d'eux. Mais plus le temps de rien et on n'a plus de moyens. Ici se joue un drame et là on sonne l'alarme. Ça nous fait mal au cœur mais on bosse dans la peur. Débloquer des crédits, ne fermer plus les lits, conserver tous nos postes, assurer nous des stocks. Dans le couloir des urgences, tellement on a de brancards. Défaut de surveillance, pour se morcer trop tard. Le fruit de décision prise sans concertation auprès de nos bonnes pommes. Et là tout qui décolle, le soin notre vocation, devenu des illusions. On ne sait plus quoi leur dire et c'est devenu de pire en pire. Si t'as envie de pisser, faut pas être pressé. Si t'as envie de manger, mieux vaut pas y penser. Oussa, mémé, Huguet, qu'en a jusqu'aux chaussettes. Et là-bas, monsieur Lafleur, qui se tord de douleur. On veut plus de matériel, adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène. Et des médicaments, en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, y'a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple, on n'en trouve plus. Prendre soin des patients, c'est pouvoir prendre le temps de leur tenir la main, de leur mettre un bassin. Rassurer les familles, putain, sont des humains. On manque de personnel, d'une prise en charge humaine.
c'est sûr, on l'aime. Soyez sûr, on le perd. Y'a la colère dans le cathéter. Pendant que partout en France, les gens partent en vacances. On nous dit qu'aux urgences, on n'aura pas cette chance. On veut plus de matériel, adapter à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène. Et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, y'a urgence, c'est pour nous, ça se passe en France. Entendez notre peine, sous l'eau c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le perd, y'a la colère dans le cathéter. Ce qui se passe au CHV, dans les urgences de France, ne peut pas rimer avec rentabilité.